Les origines du dalmatien peuvent être observées dans les tableaux datant du XVIe ou XVIIIe siècle. Cela suggère que le dalmatien est originaire de la Méditerranée orientale et en particulier de la région historique de Dalmatie en Croatie. Le premier standard non officiel a été rédigé par un Anglais en 1882. Après la formation en 1890 du club du dalmatien en Angleterre, ce standard est devenu officiel. Le dalmatien se situe dans les chiens de grande taille. Une femelle mesure en moyenne entre 54 à 60 cm pour un poids moyen de 24 à 30 kg. Et un mâle aura une mesure moyenne entre 56 à 62 cm pour un poids de 27 à 33 kg. Le dalmatien possède un poil court. Il existe deux différentes couleurs de robe pour un dalmatien, la plus connue étant le fond blanc avec les taches noires, mais il y a également la robe au fond blanc avec des taches marron. Chien de compagnie, de famille, bon au dressage pour différentes activités, le dalmatien est franc, sensible et fidèle. Il développera une relation privilégiée avec ses propriétaires. C'est un chien qui a besoin d'espace, d'exercice et ne doit pas être tenu à la tâche. Le dalmatien est intelligent, doux et merveilleux avec tous les membres de la famille. C'est un chien qui est sensible à la solitude comme d'autres races de chiens. C'est un sportif qui se plaira dans les longues promenades, mais aussi dans l'agility. Parce qu'il possède une forte personnalité et qu'il peut parfois se montrer têtu, le dalmatien nécessite une éducation ferme de la part du maître et ce, dès son plus jeune âge. Il s'adresse davantage aux personnes expérimentées. Son éducation peut être basée sur le renforcement positif. Désireux de plaire à son maître et quelque peu joueur, le dalmatien peut être récompensé en éloges, caresses et friandises. Il ne faut pas oublier non plus que le dalmatien a besoin d'une socialisation précoce. Le dalmatien peut s'adapter à tous les modes de vie à condition de le laisser fréquemment se défouler à l'extérieur. Il est préférable de faire dormir le dalmatien à l'intérieur car son poil court ne lui offre pas une protection importante. Comme tout chien de grande taille, il faut faire attention à la dysplasie. Vous trouverez une vidéo dans la description sur cette maladie. Sinon, le dalmatien est plutôt robuste en général, mais c'est un chien qui peut être sujet à la surdité à cause de son pelage blanc. Il faut également faire attention aux torsions de l'estomac et laisser le chien au calme après chaque repas. Le poil court du dalmatien ne nécessite pas d'entretien particulier, il suffit juste de le brosser régulièrement. Si tu as des questions, n'hésite pas à nous les poser en commentaire. Et si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un j'aime et abonne-toi.